Après être restées fermées pendant presque une année, certaines écoles ont rouvert leurs portes aux États-Unis. Dans l'état le plus peuplé du pays, la Californie, les cours reprennent également. La baisse du nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus a poussé les élus de cet état à lancer une campagne encourageant le retour des élèves à l'école. Avec la législation engrangée par le Parti démocrate, les plus de 6 millions d'élèves californiens pourraient retourner en classe au cours de ce mois de mars. Santa Clara County today. Le comté de Santa Clara et 6 autres comtés sont aujourd'hui passés du niveau violet au niveau rouge, un niveau moins élevé. À partir d'aujourd'hui, nous étudions le cas d'une douzaine d'autres comtés qui pourraient passer à des restrictions moins strictes dans les prochaines semaines. Ces allègements permettront éventuellement d'assurer le retour en toute sécurité à l'enseignement en présentiel dans les collèges et dans les lycées. En Californie, plusieurs écoles ont rouvert ce lundi. Mais cette fois-ci, les élèves doivent s'adonner à des protocoles bien précis. Par exemple, dans cette école primaire, les écoliers doivent garder leur masque, même lorsqu'ils doivent souffler dans leur instrument à bois. Nous avons condamné tous les casiers pour que les élèves ne se réunissent pas entre les cours. Nous avons fermé tous les endroits où les élèves avaient l'habitude de se retrouver. Pour ce qui est des cours de musique, nous avons appliqué les conseils de la Fédération nationale des écoles. Tous les instruments de musique ont des couvercles et les enfants portent des masques avec des fentes. Certaines recherches ont démontré que ces mesures sont probantes. La réouverture massive des écoles en cours dans tout le pays ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. Un geste considéré comme imprudent par de nombreux corps enseignants qui s'opposent à cette décision. Face à de telles conjonctures, la lutte pour contenir la pandémie aux États-Unis semble avant tout être une lutte politique.